Zalam, mais bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir le rêve d'ennemi, de voir son ennemi et de ses différentes significations. Avant ça, sachez que je propose des interprétations personnalisées et confidentielles à partir de 5 euros par mois sur Patreon ou Buy Me a Coffee. Si vous n'avez pas envie de vous abonner, vous pouvez faire un don ponctuel ou unique via Xoom qui se base sur PayPal ou Western Union. Le tarif est de 20 euros pour 2 mois et plus d'interprétations. Vous pouvez me contacter sur WhatsApp avec le numéro qui s'affiche à l'écran. Et si vous me contactez la première fois, la première interprétation est gratuite. Tous les liens et les informations sont dans la description. Rêver de rencontrer un ennemi. Son ennemi signifie l'honneur, la signature d'un traité, le dépassement des différences, l'obtention de l'aide d'Allah et la victoire. Ici, on parle surtout d'ennemis connus. Normal, c'est que vous savez que c'est quelqu'un qui vous veut du mal, en fait. Rêver de rencontrer un ennemi signifie également se lier d'amitié avec lui. Et donc, on pourra peut-être enterrer la hache de guerre. Si, en revanche, si l'on rêve qu'on est menacé par son ennemi, cela signifie qu'il aura le dessus. Donc, l'ennemi aura le dessus. Si l'on rêve que son ennemi nous promet de bonnes choses, cela signifie qu'on tombera dans son piège et qu'on perdra son combat contre lui. C'est-à-dire que vous allez vous faire avoir par ses paroles et ses faux-semblants. Si votre ennemi vous conseille dans un rêve, cela signifie qu'il vous trahira. Si on rêve qu'un ennemi envahit un pays, là on est plus dans un ennemi inconnu, par exemple une armée ou vous voyez une menace global sur votre pays, cela signifie qu'un déluge destructeur dévastera cet endroit. Ça peut être des inondations, ça peut être des tsunamis. Comment ça va être une grosse catastrophe naturelle impliquant de l'eau qui dévastera la localité ou le pays en question. Si l'ennemi nous fait confiance ou vous fait plaisir dans sa rêve, cela signifie qu'il vous souffrira de détresse et d'adversité. Si on rêve qu'on est capturé contre un rançon, par son ennemi, cela signifie qu'on se livre à des péchés et qu'on est l'otage de ses propres péchés. Donc, ici, l'ennemi symbolise les tentations du monde et comment on pouvait succomber à ces tentations. Donc, voilà à peu près le rêve de l'ennemi et de ses différentes significations. Il faut simplement regarder l'interaction qu'on a avec son ennemi. Si on a le dessus sur lui ou qu'on ne veut plus l'écouter ou qu'on prend ses distances avec lui, cela signifie que ses manigances ou ses attaques ne font plus effet. Maintenant, si vous parlez avec lui, s'il vous donne quelque chose que vous acceptez, cela signifie que vous allez être piégé. Donc, mais c'est surtout un ennemi connu, comme je le répète. Donc, j'espère que je vous ai aidé. N'hésitez pas à aller dans la description sur comment me soutenir financièrement. Par rapport à mes besoins médicaux, etc. N'hésitez pas à me contacter sur WhatsApp à ce propos. Et je vous dis à bientôt.